Radio Star à Marseille. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Et bienvenue tout le monde dans ma vidéo. Comment ça va les amis? Mais moi ça va mieux. Ça va mieux parce que j'étais malade. J'avais des vomissements et j'avais un peu de la fièvre. Voilà. Un peu de fièvre. Mais ça va, ça va. Ça va mieux, ça va mieux. Alors, nous sommes le 22 décembre 2019. Il est 22h15. Dans cette vidéo, on va discuter de quoi? Bonne question. D'abord, on va discuter le jingle, qu'est-ce que j'ai fait au début? En fait, dans ce jingle, j'ai dit Radio Star à Marseille. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ma ville préférée c'est Marseille. Ah oui, et aussi après je vais vous dire un truc. Et juste avant, j'ai écouté sur le PC Radio Star. En fait, je vais vous montrer Radio Star, c'est ça. Attends, c'est ça. Radio Star, c'est ça. Radio Star. C'est une petite radio à Marseille. Voilà. Voilà. Et aussi, j'ai voulu faire un jingle 207.7 Vinci Autoroute. Vous savez que ma passion, c'est la radio. Vinci Autoroute, c'est une radio aussi, 107.7. Et c'est ma radio privée, et c'est une radio pour les autoroutes, voilà. Quand vous partez en vacances et tout ça, sur l'autoroute, écoutez 107.7, voilà. J'ai fait un peu de pub pour eux, mais c'est bien, pour eux. Alors, on va discuter des codes dans cette vidéo. Ça c'est bon, ça, je coupe les sons dedans. Ah oui, aussi, j'ai essayé de faire. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai recherché sur YouTube un jingle de Radio Star à Marseille, mais j'ai pas trouvé. Voilà. Ah oui, je reviens. En fait, moi, je suis né à Lille. Je suis lillois, j'habite Tourcoing. Mais ma ville préférée, c'est Marseille. Et mon équipe préférée, c'est l'OM. Et Lyon. Mais plus l'OM que Lyon. Voilà. Même si j'ai une preuve que j'aime l'OM. Regardez ici. Ici, droit au but, l'OM. Et donc voilà. Et donc voilà. Une petite chose, ne vous inquiétez pas si j'ai un œil rouge, je suis un peu fatigué, voilà. Et j'ai frotté mon nez, juste avant, je suis fatigué parce qu'il est 22h19, nous sommes le soir, alors, nous sommes le 22 décembre 2019, il est 22h19. Alors, on va discuter de quoi? Ah oui!
On va commencer par quoi? Oh, moi j'ai envie de commencer par ça. En fait, demain, je vais dans le sud de la France pour rejoindre mon père. Oui, ma mère et mon père sont séparés depuis 2006. Et ben moi, en fait, ma mère, elle habite Tourcoing et mon père habite à Guédé d'Avignon, allez, on va dire entre Avignon, Cavaillon et Marseille. Voilà. C'est pour ça que ma ville préférée c'est Marseille et mon équipe préférée c'est l'OM. Voilà. Même si je suis Lillois, je supporte Marseille. C'est ça qui est dingue. Et aussi, je serai pas là pendant un mois sur ma chaîne YouTube. Je serai pas là pendant un mois. Après, ouais. Je serai pas là pendant un mois. Je serai pas là pendant un mois. Je vais faire quoi pendant un mois? Mais pendant 2 semaines, je suis en vacances chez mon père. Et juste après les vacances, je vais faire des stages dans le sud de la France. Dans le sud de la France. En ESAT. En fait, un ESAT, c'est un centre pour handicapés. Oui, et oui, c'est un petit handicap. Ça se voit pas, mais un petit handicap. En fait, dans ma tête, j'ai du retard. Voilà. J'ai 20 ans aujourd'hui, mais dans ma tête, j'ai 18 ans. Voilà. C'est ça. Après, ouais, je disais donc, je ferai un stage en ESAT, en conditionnement. En conditionnement, je vous explique, on a une boîte et des vis. Et là, je mets des vis dans une boîte, je la ferme, hop, on la pose là, et après, vous avez compris. Voilà. Ah oui, mais je ne serai pas là pendant un mois et je reviens sur ma chaîne YouTube. Je reviens, c'est parti. Je reviens le 25. Ouais. Soit le 24, soit le 25 ou soit le 26. Janvier 2020. Alors, ça c'est fait. Ah ouais! J'ai reçu mes cadeaux de Noël en avance. Pas ma mère et pas mon beau-père. Je n'ai reçu pas tous mes cadeaux de Noël. Une bonne partie. J'ai reçu ça. Voilà. C'est une dette. Une dette. Une danse. Ouais. C'est ça. C'est un tweet. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah tiens, ça, c'est rigolo. J'ai aussi des chaussons comme ça. Sont rouges. Ma couleur préférée, c'est rouge. Et j'ai aussi des chocolats de célébration. Voilà. Ça, c'est fait. Après, il n'y a que d'autres. C'est tout. Voilà, on a tout fait. Bon allez, je vous dis à très bientôt, hein, à très bientôt. Et on va pas se quitter en pleurant, hein. Je suis pas mort. On se retrouve maintenant dans un mois. Ah ouais, j'ai la preuve hein, que je pars dans le sud. Regardez-moi ça. Ma valise. Attends. Ma valise est faite. Je pars pendant un mois dans le sud.
Ici, c'est ma chambre. Je sais, ça peut être le bordel. Et là, c'est mon lit. Ouais. Voilà. Eh bien, c'est Vindus. Je disais donc, on va pas se quitter en pleurant. On va se quitter dans la joie et dans la bonne humeur. T'as entendu un go, c'est parti. Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, chant des sardines, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, j'ai chant des sardines, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, j'ai c'est au fond, c'était bateau. Chant des sardines, chant des sardines, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'était bateau. Chant des sardines, mais allez, je suis vraiment désolé si la vidéo est trop longue. Ça va durer au moins 10 minutes, cette vidéo. Et on se dit, à dans un mois, allez, ciao, bisous, à la prochaine.